Ouais, prise de service, on est là. On est là, on est là. Bah alors, qui recherchait? Vas-y, Nekmouk. Tiens, tiens. Ah, il y a un mec qui s'est fait. Ah ouais, d'accord, il s'est fait déboîter la jambe. Chaud. Bon, vas-y, tu sais quoi, Kader, balai. comment ça va? Ouais, ah, bien, hey, prise de service. Ah, regarde, on est armé Ça va, maintenant, t'as. regarde ce que j'ai. Wouah, ce calibre de ouf, gros. T'as eu ça Ah où? ouais? T'as la permission? T'inquiète. Bah ouais, j'ai la permission. D'accord, très bien. On va patrouiller, on va patrouiller. Vas-y, je vais prendre une Vas-y, arme. vas-y. 69, 69, venez Prends-moi gilet ici, s'il vous plaît. pare-balles. Prends-moi gilet pare-balles, commandant. Je mets quoi alors? Tenue policier, gilet pare-balles? Bonjour. Ouais, bonjour, prise de Oh. service pour DRK, matricule 23, ça va ou quoi? Ça va, Kader? Belle la coupe, Ouais, hein. ça va, tout se passe bien là. Moi, j'ai perdu un peu mes cheveux. Ouais, je sais bien, bah, même chez Képi, tranquille ça. S'il y a des meufs, attention, hein, quand je patrouille. Pour ça, tu vois, cheveux plaqués en camisère, histoire de draguer Ah, quelques meufs, tu vois. très. L'uniforme, ça fait la diff. Tu me donnes le numéro de ton coiffeur. Ah non, ça je garde, hein. Ah. Petit dégradé et tout, de toute façon, d'ailleurs, il n'y a plus rien à faire sur ta tête. Bon, allez, nous, on va travailler. Allez, un beau travail. Ah, Merci. Kader, faut qu'on aille te chercher un sac comme le mien. Comme ça, tu mets un petit fusil à pompe dedans. Ok, attends, je vais prendre mes armes. Viens, c'est ici maintenant. Bon. Va C'est t'en quoi prendre ça? arme et tiens, je te donne une arme. Va t'en prendre arme. Mais non. C'est bon, t'as prêt? Ouais. Ok, maintenant il faut aller chercher un. Faut aller chercher un sac à dos. Attends, je vais prendre mon petit taser. T'as des sous ou pas sur toi pour prendre ça? Kit de réparation. Posséder, normalement je l'ai. Oh non, c'est bon, j'ai tout. C'est bon? Allez, vas-y, viens. On la joue. Sérieux, on est sérieux dans le comportement. Sérieux, très Ouais, sérieux. sérieux. Je dirais quand il faut intervenir. Non, parce Major, commandant. que à un moment donné, il faut voir la réalité en face. Ah, bonjour. Mais le Bonjour, point messieurs. positif, c'est que j'ai récupéré mes sourcils. Commandant, j'ai autorisé Kader à prendre Ouais, un bonjour. fusil à pompe. Bonjour, Il sort Kader, plus vous allez en bien? Alerte Ouais, en tout urgence. va bien, on est là, on travaille, hein. Là, je viens de prendre le Super. service. Super, ça va. Ouais, y a pas de souci, vis-à-vis de ça. Par contre, faites attention. À Herville. Ouais, il a pris quoi? Non, j'ai pas compris. Il a pris un fusil à pompe. Un fusil à pompe, d'accord. Et il est où? Vous l'avez mis Gros où? calibre, gros calibre, c'est de la Bon, on va aller chevrotine, à chercher mon un avis, sac c'est là du pour lui. 0,25. Ah, d'accord, il est dans votre sac. Y a pas de souci, allez-y. Allez-y. D'accord, bah merci. Ouais. Bon courage à vous. Ouais. Ah, vous aussi, collègue. T'es pas sauté, Réré? T'es bugué? Ah, c'est mort. Vas-y, viens. Mais T'es Ken, mieux il que me t'as laisse. sur TS, Réré. T'as vu, le commandant il nous laisse se patrouiller normal alors qu'à la base, tu vois, il nous surveillait. Ouais, Là, il un peu s'en merde. bat les couilles. Et t'as vu en plus, il nous a laissé prendre la pompe alors que normalement c'est que lui qui a le droit. Ah ouais? Ouais. Vas-y, viens, est-ce que t'as 1 dollar sur toi, Réré? Zéro. Merde, est-ce que je peux. Tous mes véhicules sont sortis. Attends, vas-y, viens. Faut qu'on se trouve un véhicule. Bah là, y a un véhicule. Ah, c'est un mec qui le conduit? Ah putain, je crois que attends, je change de taz. C'est bon, elle est tasée. Je suis pas un pro de l'aim. Pourquoi? Il est Mais où? je vous l'ai ramené, je l'ai trouvé sur la route. Écoute-moi, fils de schlag, avec ta dégaine là. Où t'as eu ce gilet là? Mais ça, je peux Déjà, pas le pourquoi dire, t'as un gilet frère. comme ça? Pourquoi t'as. Eh, mais Comment ça, ça, c'est tu vas le dire? l'info, Tu vas le dire? Bah, tu sais c'est quoi? l'info. C'est quoi? On va l'emmener en salle d'interrogatoire. Il va comprendre ce que c'est. Garde à vue pour toi, Ok. gros, je te le dis direct. Et en plus, il conduit sans permis notre voiture de flic. Alors, toi, mon Et pote. je voulais ramener. Ferme Ouais, ta gueule, c'est t'as pas ça, de c'est permis. ça. Ferme ta gueule, on va te ramener devant le commandant, on va voir. Tu vas devoir répondre tes accusations, je te le dis. Mais je viens de te le dire, je viens de la ramener. J'avais Je pas de m'en bats permis. les couilles, gros. Et Comment monsieur, tu l'as eu? monsieur, pourquoi vous l'insultez? Écoute-moi, toi. Eh, j'ai tout entendu, arrêtez. Qu'est-ce J'ai qu'il y tout a? Qu'est-ce qu'il y a? entendu. Qu'est-ce qu'il y Me a? prenez pas pour un con, vous l'insultez pour rien. Je l'ai pas insulté pour rien. Il a commis un délit. Il va devoir Mais répondre de le ses type, il parle accusations. pas, On va tu devoir l'insultes. l'interroger. Le type, il parle pas, tu l'insultes. Il a fait de la merde. C'est tout, ok?
Déjà tes lunettes là, attends tes lunettes c'est de la contrefaçon. Bah tu sais quoi, je vais t'embarquer toi aussi parce que tu commences déjà à me saouler. Vas-y bah embarque moi. C'est parce que je suis noir aussi, toi? Exactement. Ok ok. Parce que je suis noir on m'arrête hein. Ouais arrêtez-le, délit de faciès et agression envers un policier, ouais. Outrage à agent. Escortez-le. Outrage. Allez viens cadeur, on sort plaisir. On va t'emmener dans une petite ruelle, t'inquiète pas, tout va bien alors, se passer. Alors comme ça t'insultes de pute mon collègue. Mais jure la vie de ta mère, je l'ai insulté maintenant. J'ai entendu moi, j'ai entendu. Bah Dieu ton collègue qui jure sur la vie de sa mère maintenant. Sur la vie de ta mère tu l'insultes hein. T'as cassé les couilles, attends. T'inquiète moi je reporte ça gros, je l'insulte même pas. Tu m'as insulté, tu m'as mal parlé, outrage à agent gros. En plus tu bah, sens... Bah je t'ai dit quoi, je t'ai tu dit sens quoi les épices frère, arrête. Ça je n'écoute pas mère, elles sont les épices. Pardon ? Écoute-moi bien, ça ok, bah c'est pute. Bon, ça je vais rajouter okay, dans mon calepin. Kader, écarte-toi pour pas que ça te frappe. Bon, vas-y, je on va te laisser encore une chance, t'as intérêt à t'excuser maintenant, gros. Ouais, bah désolé, monsieur. Mais juste... Bon, qu'est-ce qui se passe, là ? Qu'est-ce qui se passe, les gars ? Écartez-vous ! On m'arrête pour ton d'exécution ! Parce que je suis noir. T'es tous Et bah ouais. Nique ta mère. Ah ouais, d'accord. Derek. Derek, t'inquiète, je m'en bats les couilles. T'as un ouais, les monsieur le commandant, je maîtrise. Allez, on part. On peut m'expliquer là, attendez. Attendez, attendez, il faut. Je pense qu'il a. Cette personne. Patoche, ouais, il faut que tu lui expliques au commandant. Cette... Parce que, en gros, cette personne arrive devant monsieur Kader, elle dit oh, nique ta mère, Kader. Kader, qu'est-ce que tu fais ici? Enfin, il appelle le policier à quoi? Ouais, le policier, bon, tu fais quoi ici? En fait, pas... Monsieur le commandant, je m'en charge, je vais. Non, laissez-le moi. Oh merde, y'en a un admin qui regarde. Vas-y, on se barre, y'en a un admin. On a rien attends, fait. Attends, reste ici. Trop vite, viens. Vas-y, on... Kevin. Regardez la jambe, con. Sinon. Petit. Reculez, s'il vous plaît, je suis agressif. Ouais, je me recule. Bon. S'en bat les couilles. Y'a l'admin, il s'est dévaniche. Je voudrais parler au commandant. T'as pas compris? Oui, au commandant. Ouais, vous voulez parler au commandant? Petit con. Ouais. Ouais, y'a l'admin, il s'est enlevé son invisible. Nico, tu m'avais fait un petit message. Ouais, si tu lui as envoyé son permis. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il va rien du tout. Ah ouais, il y a eu attaque caractérisée ouais. Envers ouais, les forces de l'ordre. Il a un homophobe et plus les mères. Ouais, mais il est insulté quoi. Ouais, il est foutu quoi, enfin, bizarre. Moi j'ai insulté. On va le laisser, vas-y, parle un peu pour voir, vas-y, pour te défendre. Vas-y, défends-toi, on te donne 5 secondes. Explique-toi, allez. Bah, je vais pour défendre un type. J'essaie de faire une scène RP. Je lui dis. Parce qu'il est noir, c'est ça. Le type, il commence à me noter. Il me dit. Mais les nets, c'est de la contrefaçon. Il me dit, je pue. Ah, bah, oh, il a été. Merci. Il a été banni. Bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait ici encore? J'ai oublié là. Je suis bloqué, je vais pas te prendre. Bon, ça s'est réglé. Bon, ouais. On va pouvoir travailler tranquillement. Il a été banni pour toi. Dans le bureau. Frérie, on a les moyens de bureau, il y a un serveur. Ouais, mais il a fait quoi? Je suis mort, c'est le meilleur serveur du monde. C'est le meilleur serveur du monde, les gars. Sinon, ouais, merci, monsieur le commandant. Frérie, il y a un message de police. Viens les voir. Il y a un hélicoptère qui a pas. Nique les coffres. Ah bon? Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Attendez, monsieur. 11. Très bien, je vais en toucher deux. Attends, je l'appelle, comment ça, nique les coffres? Un grand courage. Il est où? Et il a envoyé ça sur le numéro de flic. Bureau, bah, il est très. Il a qu'à pas traîner sur un serveur. De flic, il a pas de permis il de conduire. Dormir, il dit qu'il... Bah ouais, il a qu'à pas rester sur le serveur. Ouais, n'importe quoi, le pige. C'est pas pour son âge, il a. Ouais, pas plus loin. Très bien, commandant. T'attends dans la voiture dehors, rien. Ouais, il se passe des choses bizarres ce soir, hein. Ils sont attends, énervés, ces jeunes. Rien entre nous, c'est nous deux qui devrions nous faire ban, pas lui. Je pense que. Ouais, attends. Ouais, c'est calme, un peu trop calme maintenant. Bon, on va essayer de patrouiller, hein. Ça va, dure journée sinon. Ouais, on prend le relais. On a eu pas mal de braquages aujourd'hui. On a été banni du CER à chaque fois qu'on arrive, il y a au moins 14 mecs qui sont bannis. Je me suis foulé le pied aussi. Ouais, bah, prends du repos, hein. Frère. Mais on m'a fait un massage thaïlandais quand même. Ça m'a ah ouais, mis en place directement. Dans quelle rue? C'est où ça? T'as une adresse? Bah, je peux vous dire, hein, mais. Je pourrais vous dire ça après, hein. Ah oui, attention, monsieur le commandant, un peu de sérieux, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, là? Non, il me donnait une adresse... 69, qu'est-ce que tu fais encore ici? Bah, je lui... On parlait de notre journée. Ah, d'accord. Je lui disais par rapport à mon pied de tout à l'heure. Ouais, je voulais avoir un petit topo aussi, également, sur la journée, les délits, les activités. Ouais, la journée, elle était, ça a été vraiment très très compliqué. Bon, heureusement que nous sommes équipés, nous avons la force. Patoche, toujours bon, quoi.
On a des nouvelles recrues incroyables, hein, faut pas non plus nous toucher dessus, et franchement ça fait une bonne équipe quoi. On forme une bonne équipe. Ouais bah on essaye de répondre présent. Ouais exactement, mais le problème c'est qu'on... ouais. Il faut faire régner la discipline dans cette ville. Comme problème, ça, il se oui. Quand il y a pas, il y a pas. Hein. Quand il y a rien, il y a plus par rien. Par contre, lui, là, il m'énerve. Ça fait 5 heures que je le vois là. Repos, Kader. Dégage. Pas de pas formalité comme ça. C'est qui parle, hein? Qu'est-ce qui... DMG. Il y a pas Kader, on va pas trop rien. Mais je crois qu'il y a un mec qui parle. On a un chewing-gum. Il y a que nous qui le voyons. C'est qui parle? Ouais, je pense que vous êtes fous. 91. On est fous. Fermez les yeux, ouvrez-les un peu. Ouais, ouais, on vous voit pas là. C'est mieux, t'as bon, écoutez, on va pas rester au commissariat en fait, je vous paye pas pour rester ici. Donc vous me partez en Adam là, vous faites des... Ouais on va scinder en, plusieurs groupes, ouais, il faut qu'on scinde. Ouais. Donc s'il vous plaît... 69, tu viens avec nous? 69, ouais, alors, on est combien? Oui. Bah, on doit être une bonne... ouais on est 7 je crois. 6. Ok, T'attends dans le water. Ouais fais attention, il paraît qu'il y a beaucoup d'admin sur ça. Pas de... Là on s'est fait plaisir, on s'est autorisé un petit kiff. Là maintenant, par contre, le pauvre, hein, il devait pas se faire banner. Hein. Bon, bah ça arrive, hein. Dommage. C'est râle, hein. Pour tous les bans qu'on a pris, ah bah t'es loin. Ouais, il a pris pour tous les bans gratos qu'on s'est pris des fois en RP alors qu'on n'avait rien fait. Désolé, hein, si un jour tu tombes sur cette rediff, on a rien contre toi, mais bon, tu méritais quelque part. Ah, il faut bien. Vas-y, je vais voir un mec qui a un pistolet à 300 mètres. Je reviens, on va le voir. On fait une rôle de routine. Où ça, il est où? Il est à 200 mètres là, il a un pistolet sur lui. Ok. Je rends compte, il est dangereux, et puis après on le fouille et on voit qu'il a un pistolet. Et je suis sûr qu'il a pas de permis. J'ai une alerte. Ouais, non, c'est juste des mecs qui envoient des messages comme nique la police. Oh, mais c'est quoi ces gamins quoi? Bon, vas-y. Ah non, le mec il est dans son appart, on peut rien faire. Ok. Ok, non, des vas-y, mecs. Il y a un mec à 900 mètres. Au pire, ce qu'on peut faire, on n'utilise pas nos armes létales, tu vois, on utilise... Bah non, on fait une théo. Un coup de taz. Mais je crois qu'au taz, tu peux le... Ouais, mais faut mettre 5-6 coups chacun. Si on se met à deux, ça peut aller vite. Yo, Manda, comment tu vas? Non, elle a mon truc de masque. Tu parles de quoi, Fan Reviews? On dit qu'on a reçu une bagarre ici, un alerte. Hop 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 monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ouais on a une alerte dans le coin là, apparemment il y aurait une baston, une bagarre qui a été signalée ici. Une baston. Vous avez vu quelque chose? Alors pas du tout, enfin j'ai vu des véhicules là-bas vers la place à côté des jet skis, mais ouais. Je sais pas s'il y a des gens. Bon on ira faire un petit tour. Vous êtes sûr que c'est pas bon monsieur? Non pas du tout, bah en fait j'étais venu là, je visitais un peu, bah, je suis un peu nouveau. Ouais on vous a vu là à l'instant en train d'essayer des masques, vous préparez pas un casque par hasard? Non pas du tout, j'ai rien sur moi de toute façon, vous pouvez fouiller, alors là si vous voulez je peux... Là. Pourquoi vous voulez acheter un masque monsieur? Ouais, ah, vous ouais, acheter un masque. Bah en fait c'est très simple, je travaille en tant qu'abatteur et le problème c'est qu'on a pas mal de problèmes là-bas. Donc si il vient un jour à me battre avec ce genre d'individu qui essaie de me braquer, je préfère pas qu'on voie mon visage et qu'on me retrouve. Parce que je sais pas à quelle sorte de gang là, de je ne sais quoi ça appartient, mais j'ai pas envie qu'on me retrouve moi. Ah donc vous voulez cacher votre identité? C'est vrai que c'est interdit, ça. Pour ma défense, parce que j'ai pas envie que certains gangs me retrouvent ou je ne sais quoi, mais bien sûr je ne l'utiliserai pas à des fins négatives, on va dire. C'est d'accord, c'est vrai que c'est autorisé que pour le Mardi Gras, hein. C'est des festivités qui sont organisées dans cette ville. Bah je vais essayer de me faire braquer que pendant le Mardi Gras alors. D'accord, donc on vous embarque. Embarquez-le, Patoche. Pourquoi ça? Mais genre, on va le fouiller? Non, c'est bon. Monsieur, faites une petite blague. On vous a fait une petite blague. Ce soir, ça a été la folie. Stalker qui arrive pour Kharkil. Il arrive en plein nord. Ok, bah vas-y, on s'écarte. Il prend pour un guignol, lui. Donc je vous conseille d'aller voir vers là-bas au niveau des véhicules qu'il y a là-bas. Je sais pas s'il y a des gens, je sais pas, il y a deux véhicules. D'accord, bon, on va y aller, on va aller voir ça. Bon, et eh ben je vous souhaite. Hop. Bon, je vous souhaite bonne journée, prenez soin de vous. Merci à vous aussi. Vas-y, on y va. Je me suis fait tasse, gros, attends. Oh là, oh. Qui t'a tasse? Je sais pas, peut-être un modeur. Ok, ça me relève. Pourquoi ça m'a tasse? Bon. J'ai l'impression que le mec conduit sans permis, hein. C'est les nouveaux sur le serveur. Ouais, bah, puis on laisse le go voiture là, non? Tu pouvais voir ou pas, c'était vrai? De quoi? Je sais pas, il avait dit qu'il y avait des voitures.
Non, c'est bon, il y a un mont, il y a rien. Okay. Vas-y, je t'emmène voir demain dedans. C'est quoi cette histoire de jambes là, les gars? J'ai rien suivi. Bon, non, mettez pas de lien, les gars, chelou en tout cas, dans le chat, c'est interdit. Ils sont les modos, ils seront là pour Théo. Ça doit rester sur Discord. Le Discord d'ailleurs sert à ça, les mecs. T'as des mecs, ils sont tout au nord en train de farmer, mais genre ils sont ah, armés. Ah, j'ai pas vu, Emily. Ah ouais, c'est chaud. Tu veux y aller ou pas? Vas-y. Oh, bah c'est 4000 mètres, hein. Oh putain, c'est long. Comme tu veux, mais genre ils sont vraiment armés. Y'a pas y a rien en ville encore là? Y'a bah y a du monde, mais genre personne armé. Je préfère les mecs non armés ou les mecs armés? Où ça? Attends, dans le nord t'as quoi? Dans le nord j'ai des mecs armés et en ville j'ai des mecs mais pas armés. On peut faire quoi? Dans ville, vas-y, on va tester les mecs en ville, c'est plus proche d'ailleurs. Ok. J'ai un mec à 600 mètres. Bah, au pire, Chewbacca, parle-lui et. Explique-lui qu'il a. Ouais, il a pas sa place dans le RP, faut qu'il arrête quoi. Prendre ça qu'à un moment, le pige il a dit j'ai rec, hein. S'il a vraiment rec, c'est nous qu'on sommes dans la merde, rien. Ouais? Bah, attends, on lui a rien fait. Bah, un petit délit de faciès, non? Enfin, je sais pas, il vient, il m'importune quoi. Il est armé, le RR. Bonjour, monsieur. Oui. Qu'est-ce que... Enlevez-moi ce masque, s'il vous plaît. Je vous demande de vous arrêter un instant. Bah, c'est un interdit. J'en ai rien à foutre. Vous savez que dans cette ville, on doit être à visage découvert, vous êtes d'accord? Bah, oui, mais j'ai le droit de mettre un casque. Ouais, mais surtout qu'on a un signalement de coups de feu ici. Vous êtes en piéton et vous avez un casque. Expliquez-moi, elle est où votre mobilette? Monsieur, répondez s'il vous plaît. Pourquoi vous êtes là à circuler visage caché? What? Ah oh oui, là j'ai eu un gros souci. Hein? Votre moto elle est où? Je vais juste mettre mon casque. Bah, je sais pas, j'ai pas le droit de mettre mon casque comme ça. Non, vous avez pas le droit. Bah, par contre, vous avez pas le droit de commencer à me chercher. Pas le droit de quoi? Hein. J'ai pas le droit de quoi? Bah, vous avez pas le droit de me chercher. Vous avez pas le droit de mettre un masque en casque en tant que piéton, monsieur. Vous me l'enlevez tout de suite. C'est interdit dans cette ville, vous enlevez ça maintenant là, tout de suite. Ok. Pleuvez, top. Allez. Ah, je prends mon temps, je crois que tu veux. Oh non, vas-y, remets-le, c'est pour... Oh, cette gueule. Non, vous pouvez le remettre, monsieur, effectivement, là, ça sent, là. T'es sûr que tu veux continuer à parler comme ça? Bien sûr. Pourquoi? C'est des menaces? Allez, maintenant t'enlèves ce casque et circule maintenant. Je vais plus trop voir ici, là. À traîner, à rôder avec un casque. Bah, j'ai le droit de marcher ici. Parce que la personne a plus de ici, je marche où? Ouais, c'est ça. Ouais, okay. Fais gaffe à toi. Si on avance, on le laisse. J'avoue, pourquoi il a un gilet pare-balles et un cuss? J'ai envie de lui mettre un petit coup de taser là en partant. Oh non, vas-y, non. Vas-y, je vais voir d'autres gens. Yo Sodé. Oh, y'a Maclan. Je sais pas ce qui s'est passé, Manda. Toi t'as vu la vidéo, mais. Bon. Vas-y, on dit qu'il roule trop vite le Maclan. Ok, ouais. Roule mal en plus. Vas-y, crève-moi ses roues, Réré. Crève-moi ses roues. Merde, comment on fait déjà? Ah, ok, ouais. Je vais tenir ma conduite. Vas-y, je vais. Attends, moi je mets là. C'est bon, c'est crevette. J'ai une bonne aim. Ouais? Oh ouais, t'inquiète, je vais le taser aussi. Et la déco. Mais il se croit drôle en plus, fils de pute. Oh putain. Le mec, c'est un stalker et dès qu'on arrive proche de lui, il déco. Non, mais les stalkers, tu sais quoi? On leur met des balles, hein, Balek. Hein. On les tue direct? Les non, pas tue direct, mais je sais pas si on peut signaler à Kane, tu vois. Vas-y, y'a un mec là-bas à 1000 mètres. Bah non, Sodé, c'est le. Franchement, c'est le meilleur serveur à l'heure actuelle sur GTA, je te le dis. C'est le nouveau Flashland. Mais il peut. Franchement, avec le niveau des joueurs qu'il y a dessus en RP, il peut le détrôner, hein. Non, le mec là dans le 4x4 devant. Roule doucement pour voir. C'est où pour passer le beeper? Oh! Bonjour, monsieur. Vous savez que vous êtes en train de stationner sur une voie. Vous demandez de sortir des véhicules, s'il vous plaît. Monsieur, oui. Vous devriez être en mouvement sur cette voie, monsieur. C'est interdit de stationner là. Mettez-vous sur le bas côté. Mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît.
qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? J'allais au travail. Je veux pas le savoir, si vous voulez prendre du temps pour appeler, vous mettez votre véhicule sur le trottoir là. Désolé. Est-ce que c'est une tenue pour travailler ça? Regardez-moi ce costume dégueulasse. Hein. Il est déchiré derrière. Je suis raffineur. Mais on entend son pote sur Discord en écho, c'est guignol. Vous êtes raffineur? Oui. Quelle entreprise? Vous travaillez pour qui? De la raffinerie. Je sais pas. D'accord, bon. On va faire vérifier son permis, sergent Pat. Ouais, vous voulez que je vérifie? Permis, ouais. Montrez-moi votre permis. On n'a pas le permis? Non. Bon, bah défaut de permis, bon, ça va aller chercher loin là ensuite. L'assurance, regardez. Bon, visiblement, monsieur veut pas parler, on va pas s'expliquer, on va regarder. Alors, la boîte à gants, c'est où? Ok. Des maracas. Un god miché. Ok, des lunettes de guet. On fait quoi de lui, Darko? Un micro-casque de merde à la bite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, de la tuile. Vas-y, ça je prends pour moi. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Apparemment, il a l'air... Ok, très bien. Bon, prépare un casque, fils de... Bon, on peut faire une théo, le régler vite ou pas lui? Véhicule volé, non permis... Bon, non, écoute-moi, il y aura deux solutions. Soit la solution douce, ou soit la solution douce plus plus. Tu cherches laquelle? Douce. Très bien. Bon, on peut oublier, on peut effacer un petit peu ce que vous avez, vos dettes là, que vous avez envers cette ville. Ça va être très simple, on va vous libérer. Mais il y aura un petit châtiment derrière, ça vous va? D'accord. Demande-le en striptease. Non, on va juste lui mettre un coup de tasse à deux. Pourquoi? Ah non, dans mon... Tout à l'heure j'ai fait ça, hein. Y'a un mec qui fait les striptease, ils ont aucune dignité, je te jure. Détachez-le, sergent Pat. D'accord. Ils sont carrément menottés. Vous n'avez rien contre le cul rouge, non? Mettez-vous contre le mur. Ok. C'est comme ça qu'on fait respecter la loi. La prochaine fois, vous verrez à ramener votre permis, là. D'accord. Au commissariat. On vous mettra pas l'amende. Enlevez votre pantalon, s'il vous plaît. Sachant pas, regarde, c'est dans le coin, y'a personne qui nous regarde. Ah, oh, y'a personne. Baissez votre pantalon, s'il vous plaît. Non. Baisse ton pantalon. Y'aura rien d'humiliant, vous en faites pas. Voilà. Sergent Pat, reculez un instant. Reculez d'un mètre. On joue. Pas le temps d'exécution. Non. Ça. Ouais. Vous allez me faire quoi? Comptez jusqu'à 3. 1, 2, 3. Allons-y. Je vais réfléchir à deux fois la prochaine fois. Bon, allez, on peut y aller. Vous pouvez monter dans la voiture, je vais régler ça au cadavre. Bon, écoute-moi, petit salope. C'est bon, c'est fini. C'est fini. C'est fini? Fais-moi un striptease ou je te bute. C'est pas fini? Fais-moi un striptease. Pourquoi tu me tapes? Non, j'ai pas voulu. Bon, on va te laisser tranquille. Y'a moi d'oc CTP, genre. Ah, ouais. Remettez votre pantalon, s'il vous plaît, monsieur. Nous, on va devoir y aller. D'accord. Et la prochaine fois, faites attention, hein, vous garez pas en plein milieu sur la route. D'accord. Ah, y'a moi d'oc. Ok? Bonjour. Okay. Fais confiance, hein. Oui, bonjour. Bonjour. Vous pouvez m'expliquer la scène là? Alors cette personne, comme vous le voyez, monsieur le gouverneur, regardez, ouais. Il s'est garé à cet endroit-là. Il gêne la circulation. D'accord. On lui a fait un simple rappel à l'ordre. Jusque-là, vous avez raison. Mais le cul rouge, enlevez-le. Attendez, bougez pas, j'arrive. Ça veut dire le modo et l'aspect quand j'ai demandé un strip des omac? Non, il était là bien avant parce que le cul rouge. Ah ouais, marre de la tauvin? Merde. Trouvez l'excuse, stop l'erreur.
Putain, vite, faut que je demande au chat, les mecs. Sauter, toi qui est chaud en RP, dis-nous un truc. Comment sauver le truc là, je m'y connais pas en RP. On fait passer ça sur quoi là? Un alibi vivide, les gars, dans le chat, sauter s'il te plaît, aide-nous. Il avait pas son permis, il répondit quoi? Non, mais pour le cul rouge. Un but de klaxon. T'es addict au sexe, non, c'est... non, non, là, c'est pas vrai. Il nous avait dit, je veux faire ça parce que j'ai plus d'argent pour payer la amende. Ouais, vas-y, vas-y, ouais, il est. Il se plaignait d'une allergie. Pas de permis, Evic. Crise d'hémorroïdes. Bon, écoute-moi. Tu vas devoir lui dire que t'avais une crise d'hémorroïdes, ok? Et pour te détendre, on a essayé d'aider, on t'a explosé les pus que t'avais, ok? Tu lui dis exactement ça. D'accord. On a mort. Ouais. Ouais, 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 en fait, on l'a mis sur le bas-côté, on a fait tout ça dans les règles de l'art. On lui a demandé son permis, il l'avait pas. Pour le défaut de permis, il va le ramener au commissariat dans les prochains jours. Ensuite, pour le cul rouge, vous demandez des explications. Ouais, il va vous répondre. Pourquoi le cul rouge, monsieur? Parce que j'avais une crise d'hémorroïdes. Bah, une crise d'hémorroïdes, et quand, vous savez, on a regardé le manuel de police, et quand il y a ça, on doit sortir le taser pour le calmer. D'accord. Et dans le véhicule. Ouais, j'ai simplement fouillé ce qu'il y avait à l'intérieur. Défaut d'assurance aussi. Mais bon, ça, je vais pas leur tenir rigueur, vu qu'il nous a écoutés. Et vu que le voleur. D'accord. Voilà. On s'apprêtait à partir, en fait, là. Parce qu'on a patrouillé. Ouais, ça va. Bon, mollo quand même, la prochaine fois. Ouais, pas de soucis, chef. Je vous remercie. Là, on ira à Darkan. Ouais, repos, ouais, repos, on y va. T'as mis au tarer. Bah c'est bon, gros, c'est passé. Ouais. Hein. Oh, par contre, tu sais que le mec, il a tête, s'il aurait pas dit j'ai une crise de. S'il aurait pas dit ça, le mec, on sera mort, hein. Heureusement qu'il nous a sauvés, hein. Ouais, il nous a sauvés. GG à lui, les gars. Maintenant, il va plus nous lâcher, gros. Vas-y, go, je suis tranquille. Mais attends, j'ai eu un message pour lui, on y va. Ouais, vas-y. Vas-y, c'est un mec, j'ai mis la position, j'y passe. Ok, j'y vais, regardez un marqueur en bas à gauche. Il m'a laissé run. T'as de la thune, au pire on lui donnera de la thune, gros, si on le retrouve. Oh ouais. Moi j'ai les thunes de toutes les amendes que j'ai mis. Ouais, imagine, ouais, il parle à l'autre en secret derrière. Il va parler à l'autre, c'est sûr. Bah c'est en pas grave, hein. Ah c'est bon, y'a déjà des collègues qui sont en voilà ça. Le modo il est parti ou pas? Tu peux le voir ou pas s'il est parti? Bah en fait il peut me suivre. Genre ouais, elle est toujours, pourquoi? Tu connais rien? Ah, ça se trouve il parle sur l'autre cul, hein. Vas-y, y'a des mecs armés si tu veux là-bas. Ouais, doucement, ah, je pense que le modo va nous spec. Doucement. Vas-y, attends, je compte de RP. Je pense que le modo va nous spec, donc viens, on joue vraiment RP. On joue RP là cette fois-ci et pour calmer pas le truc. Contre quoi. Un petit cul rouge, quoi. Attends, on va sur deux mecs, ils roulent vite et ils sont armés au cœur, hein. Ouais, donc là on peut. Non, là on va jouer normal. Ouais, ouais, genre on fait un petit contrôle pour rouler vite et on découvre qu'ils ont des armes. Ils sont à gauche, ok? Ouais. Sur le taser, okay. Regarde, ils roulent à contresens. Allez, c'est pour nous. Allez, c'est pour nous, il a dit. Sur le gun, hein. Ah ouais, direct? On crave les pneus. Direct? Attends, je vais leur demander d'arrêter. Veuillez mettre ce véhicule dans le bas-côté, sur le bas-côté! Comment elle roule? Bon, là il écoute pas, donc on peut y aller. Vas-y, crave le pneu, hein! Vise! T'inquiète, je les pars pas de vous. C'est bon. Je suis mort. Ok, ils sont les deux morts. Ah, j'ai écrasé un collègue. Attends, j'appelle les EMS, reste ici. Mais c'est quoi ces mecs? Collègue, tu vas bien? Me dis pas que c'est le commandant. Non. Les personnes ne bougent. Les bute pas. Bah ils sont déjà morts, Ré. Putain. Mais ils allaient me buter. Bah ils t'ont tué, toi. Il les a tués. Bah c'était ça où je mourrais, hein. Et le coup... Ouais, bon, j'avoue, t'as raison. Mais après, le coup de tasing, tu peux pas le faire à distance? Bah non. Et non, il y a comme son dos.
Après, attends, les gars, si dans le chat, il a eu raison, légitime défense, hein. Bah, si je les tue pas, je mourrais en fait, hein. F10 pour appeler les ambulances, frère. C'est sûr. Marche pas. Attends. J'ai demandé au machin de me... C'est bon, ils arrivent, les amas, ils arrivent. De toute façon, j'étais obligé de les tuer, hein. C'était soit ça ou soit je mourrais. Mais là, ils sont où les mecs là? Dans leur voiture. Ok, il faut que je leur parle, hein. C'est con. Hein. Tiens, monsieur Kader, tout va bien? Non, ça va pas du tout là. Bon, j'appelle. Vous les avez déjà appelés ou pas? Il faut le sauver, monsieur. Sortez-le du véhicule, s'il vous plaît. Tout doucement, hein. Évitez, ouvrez la porte. Vous arrivez à ouvrir la porte ou pas? Attendez. Ça va être dehors, je pense. Ouais, je vous laisse. Ne vous inquiétez pas, Kader, tout va bien se passer. Merci à Slazy qui s'est abonné il y a 10 minutes. Bon, désolé, on perd pas de temps. Ouais, non. C'est bon. Ouais, mais doucement, quoi. J'ai pris une balle dans la joue, quoi. J'aurais pu directement le ramener à l'hôpital. Là, c'est foutu, quoi. Bon. C'est foutu. Ok, bon, je vais voir directement à l'hôpital. Ok, tu tiens la zone, genre. Ok, je tiens la zone. Boucle le paramètre. Pourquoi tu te moques? Je tiens la zone. Ouais, en plus tu sors ton gun, gros. Mais y'en a un qui me spec là, je sais pas ce qu'il vaut, genre il est butin. Non, bute pas, range ton gun et Ah non, je dois boucler la zone si jamais ça m'attaque. T'as pas les sans les trucs là, que... Les trucs de signalement là. Les hors. Ouais. Vas-y, sors ça. Moi je pense en moi. Par contre les EMS, il a raison, hein. Super bon, hein. Ça met trop de temps, Oh non, mais moi ils m'ont envoyé un message, les amas. Ah, mais gros, là ça fait déjà 4 minutes là. Non, mais justement, moi ils m'ont dit personne ne peut venir. Roland. Non, mais moi ils m'ont dit personne ne peut venir. Bah là j'ai fait un report, mais. Vous avez appelé une ambulance, ils m'ont dit personne ne peut venir. T'aurais dû demander au commandant. Il y a toujours le modo, attends. Tiens, bon, Darka, j'espère que les amas vont venir. Oh, je suis dead. Ah, des Raiders qui viennent tout droit de chez Kelly CSGO. Scalmé Kelly qui nous rejoint. Et avec qui est-ce qu'on joue? Ouais, je suis fatigué. Hein. Je sais pas si je vais faire un long live là, les mecs. En général, tard comme ça dans la nuit ou tôt dans la matinée, on essaye de faire un petit CS avec Kelly. Mais là, Scalmé. Gros host, ouais. Merci beaucoup pour le raiding. Mais le raid, je comprends pas en fait. Comment c'est quoi en fait le raid par rapport à un host? C'est lui le raid? J'ai pas d'alien trade. Merci, installez-vous, on est en train de faire du RP. Une ou 10 games de CS et hop, au lit. T'es chaud ou pas, FG, pour faire un félicite après? Avec DMG. Il faut des mecs, il faudrait deux mecs avec nous, mais chaud de la com, quoi. Après, y'a un mec qui fait que d'essayer de me carcler depuis tout à l'heure. Mais c'est un guignol. Attends, il comprend pas que je le vois la venir. Différence entre un raid et un host, j'aimerais bien savoir, Yomu, hein, parce que je comprends pas, moi. J'ai même pas les alertes pour les raids. Ah, il essaie de te carkill? Ouais, mais il est con, il sait que j'ai un wallhack en plus, je le vois venir, hein, à 200 mètres. Ah, donc un host pour un streamer qui se fait host, c'est beaucoup mieux, quoi, le host. Reste sur le stream de base et raid, tout le monde est move sur le nouveau stream. Alors, les amas? Au pire, on ghost CS avec le commandant après. Hein. Mais le raid, c'est quoi? C'est-à-dire, en gros, mais les viewers, ils sont automatiquement dans mon chat, quoi. Un raid. Parce que là, ça va être chaud pour Darkin. Wow! Bonjour, monsieur. EMS intérimaire. Hey, attends, il s'est réanimé? Monsieur, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Je vais prendre soin de vous. C'est qui le mec EMS intérimaire? C'est le admin. Ah bah il s'est fait écraser, gros, putain. Oh là là.
Mais laisse, les gars, les stalkers, laissez-le au moins me soigner avant, quoi. Monsieur, monsieur Kader, vous allez bien? Il s'est fait écraser, je crois. Il est passé, ça va? Non, il s'est fait écraser le maçon Terramar. Quoi? Ouais, déjà ouais, il vient de se faire écraser par une voiture. Et Kader, il a été opéré au moins. Enfin, bah il non, s'est fait soigner. Coup, ah, il était. Ah ouais. Oh putain, les gars, quoi. Incroyablement bonne cette vie, hein. Il est là-bas, regarde. Dis-lui de venir. Non, mon corps il est avant. Dis-lui d'avancer. Il est là. Je c'est monsieur Darkan. Je suis calme, car qui. Oh putain, j'en ai marre. Vous avez clippé, j'aimerais bien voir ce qui s'est passé. J'ai même pas eu le temps de voir, les gars. Je crois qu'il a commencé à m'appliquer les premiers soins. Et j'ai entendu un. Pff. C'était chirurgical. On le voit, on le voit plus. On le voit plus, on le voit. Mais en même temps, il s'annonce comme intérimaire, donc on sait pas. Ah ouais, c'était un vrai carquille en bonne et due forme. Je sais pas s'il va se relever. Hein. Vous le voyez où? Ouais, est-ce que c'est possible de soigner mon officier, s'il vous plaît? Et commandant, on fait quoi pour les autres dans la voiture là-bas? Ouais. Allez, on pousse. Ouais, les autres, ils dorment, donc y'a pas de soucis. Voilà. Ouais. Ça va, ça va, galère? J'ai la tête qui tourne, c'est pas évident, là. Allez, va, repose-toi. Assis-toi, appuyez-vous, repose-toi, appuyez-vous tranquillement. Sur mon épaule, monsieur. Venez, ouais, aidez-le, s'il vous plaît, monsieur. Ouais. Faites votre travail. Venez, venez, monsieur. Vous allez bien? Monsieur, suivez-moi gentiment si vous pouvez. Hein. Ouais, je vais me mettre en sécurité d'abord, je vais me mettre sur. Ouais, mettez-moi ouais, surtout ça, surtout ça, la sécurité avant tout, monsieur. Bah, il est sous de l'admin à rester H24, dommage. Qu'est-ce qui s'est passé Je me souviens de rien, j'étais en course-poursuite et après, bah, j'ai comme un blackout. Ah, moi, ouais, un sale impact. Vous étiez avec lui, monsieur? Ouais, ouais, j'étais avec lui. Dites-moi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah en fait on poursuivait des mecs qui a roulé à contre-sens, qui a roulé très vite. Ils ont ouais, commencé à tirer avoir un choc frontal. Ouais. Et du coup on a pas eu la maîtrise du véhicule, je crois, à mon avis, et j'ai dû perdre connaissance. C'est... Vous avez mal quelque part hein? Bah les airbags c'est comme un mot de tête. Mot de tête Oh je déguste. Là si j'appuie ici là. Ah ouais. Ah, collègue, je crois qu'on va devoir l'amener faire une radio. Ah ouais? Ah ouais, tu le prends vraiment? Ah non, mais là on doit travailler. Je pense que je peux encore être. Je suis apte, j'ai encore. Je suis encore capable. Algérien capable. Algérien capable. Là, si j'appuie, l'Algérien il est comment? Il vire merguez, l'Algérien. Je contrôle, frère. Commandant, dites quelque chose, s'il vous plaît. Pardon? Comment ça, faites quelque chose? On est d'accord qu'il va pas bien. Montrez-moi vos yeux. Flexion. D'accord. Non, ça va, si tout va bien. Appuyez là où j'appuie, là, regardez. Là, ici. Mais arrêtez d'appuyer peut-être, c'est une mosse, normal, c'est une mosse. Non. Vous avez de la crème ou pas? Ah, petite crème, regardez, elle est dans l'ambulance, elle vient d'arriver. Ah bah enfin. Dites-moi, vous faites quoi en dehors de... Moi je vais m'amuser à arrêter des balles pendant que toi tu vas te faire chier. Non, attends. Ça fait une heure que mes officiers sont à terre, donc vous allez commencer par vous bouger, ça va? Sinon moi je vais porter plainte. Ça va? Je vais venir voir votre patron. Vous avez compris ou pas? Vous êtes pas le seul en ville, on est 4 millions. Petite crème. Ouais, c'est ça, ouais. On a signé. Priorité sur les officiers de police, exactement. C'est bien dit, monsieur l'agent. Détendez-vous, monsieur l'agent, je vous étale la crème. Monsieur, mon officier... Ici. Et vous me dites de me calmer? Petite crème. Monsieur, soignez-le, s'il vous plaît. Ah ouais, mais je lui mets sa petite crème. Ah, ça détend. Patoche, tu viens avec moi, on va s'occuper des deux. Il en gagne la gueule, je suis mort, il s'est barré comme une pue. Merci beaucoup, monsieur le soignant. Et à chaque fois, j'applaudis le personnel soignant, tous les jours en plus. Merci pour ce que vous faites. Allez, je me casse, salut. Tiens, Kader, t'as les mains qui t'ont tiré dessus? Ah bah on va pouvoir s'expliquer. Bon, comment on se retrouve? Ah bah vous êtes... Alors, mon visage vous revient?
Les EMS sont pas encore passés ici, hein. Donc, ouais, ils vont devoir répondre, parce qu'ils ont utilisé leurs armes. Regardez, la, regardez votre véhicule qui est dans un sale état. Alors quand on vous demande de vous arrêter, vous faites un début de fuite. On s'arrête. Ferme ta gueule, c'est moi qui parle, ferme ta gueule. Pourquoi tu cries? Je m'en bats les couilles, gros. Kader, la personne que t'as tiré dessus, elle a une arme, elle a pas de permis de port d'arme. D'accord, bon, très bien, donc on va devoir confisquer ça. Mais j'ai, attendez, je parle savoir pourquoi vous utilisez vos armes. Mais je vais vous montrer. J'ai été banni. Voilà, voilà ce que vous faites. Voilà. Pourquoi j'ai été banni? Raison, Wallach. Oh putain. Mais non, arrête de mentir, la raison c'est banni. Pourquoi tu mens? Non, y'a un mec qui me tire dessus. Ouais, t'as été banni. Bah la raison c'est banni. Non, t'as été banni, je viens de voir la raison. Oui, mais la raison c'est banni, point. Oui, mais toi, ce que tu vois, moi je l'ai vu la raison. On va mourir, on va mourir. Non, non, je te jure, j'ai. Comment est-ce que. Comment est-ce que c'est possible ça? Je meurs quoi? Attends, regarde. Par contre, on me signale. Ah ouais, Wallach. On va mourir. Ah, j'ai pas de Wallach. Je peux savoir pourquoi y'en a un qui. William, Patrick là. Bon, bah, je crois qu'on va aller sur CS. On demandera. T'inquiète, on demandera au commandant de te déban. T'es où, DMG? Bah là je suis dans le 25 mon pote hein.